Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo du mois haul. Voilà. C'est un rendez-vous qu'on ne peut pas louper. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un gros craquage. Ça va se comporter en deux parties. Je vais faire un haul avec divers sites. Et il y aura un haul spécial Vinted parce que j'ai beaucoup trop craqué sur Vinted. Du coup, je ferai une vidéo spéciale Vinted avec mes achats, des conseils, etc., etc. Je tiens à m'excuser pour ma voix. Je parle du nez, je suis malade, j'ai la crève. Voilà, c'est dit. Vous m'excuserez, mais voilà. On va quand même passer un bon moment ensemble, c'est le principal. Donc, pour commencer, hors make-up, j'ai reçu de la part de Design et Patapon. J'ai reçu ce coussin-là, je vous ai fait une vidéo dédiée à ce sujet, donc je ne veux pas revenir là-dessus. Mais ce trop joli coussin, j'ai un code promo, je vous le mettrai juste ici, qui marche sur tout le site jusqu'au 30 avril du coup. Donc n'hésitez pas, il n'y a plus beaucoup de temps. Donc voilà. Je l'aime beaucoup trop. J'ai eu aussi le téléphone à l'ancienne. Trop beau. Je suis trop contente. Donc voilà. Voilà, j'adore. Donc voilà, trop beau téléphone. J'ai reçu un kit pour faire des bombes de bain. Je vous ai fait pareil une vidéo sur la fabrication des bombes de bain. Je vous invite à aller la voir. Ça vous a pas trop plu à première vue, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont regardé la vidéo. Mais si jamais vous, vous souhaitez aller la voir, n'hésitez pas. Et pareil, j'ai un code promo pour ce produit-là, donc n'hésitez pas. Et j'avais eu aussi en cadeau cette magnifique tasse. Je vous invite à aller voir mes deux vidéos dessus. Je vous les mettrai en barre d'infos. Donc. Ensuite, j'ai reçu des maillots de bain de la marque Cupshe. Je vous ai fait pareil une vidéo dessus. Je suis trop fan des maillots de bain. Ils sont vraiment trop jolis et d'une bonne qualité. Je vous invite encore une fois à aller voir ma vidéo. Il y a les maillots de bain portés, etc. Donc voilà. Donc j'avais celui-ci. Donc voici le haut, le bas qui est comme ceci, hop, en taille haute. Donc voilà pour le premier, j'en avais reçu 4, vraiment je suis très contente d'avoir pu tester ces maillots de bain. Ensuite j'avais ce une pièce comme ceci, donc là ça se croisait, alors attendez. Pas facile de vous faire voir, mais vraiment je vous invite à aller voir la vidéo. Je vous ai fait vraiment une vidéo avec les essayages, etc. Donc comme ceci, hop, et avec évidemment autour du cou. Donc voilà. Ensuite j'ai ce maillot là, donc pareil en taille haute comme ceci, et le haut, alors celui-ci il est aussi complicado, hop. Donc le haut est comme ceci avec les bretelles sur chaque épaule. Et le dernier, donc c'est encore une culotte taille haute blanche comme ceci avec le haut comme ceci. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir sur ma vidéo, le lien sera encore une fois en barre d'infos. Et je mettrai aussi les essayages sur Instagram, donc pareil n'hésitez pas à m'y suivre, c'est Beautylusion. Le lien sera aussi en barre d'infos. Donc je pense que pour tout ce qui est hors make-up c'est bon. Maintenant on va passer au make-up parce qu'il y a vraiment pas mal de choses. Alors on va commencer par Morphe. Il y avait une promo, je sais plus, c'était moins 25% ou moins 30%, je ne sais plus. Du coup je me suis pris de palette, je me suis pris la 35S Sweet Oasis. Alors celle-ci me faisait envie. Et puis après je me disais mais non, t'as déjà ces couleurs. Et puis voilà, et puis voilà. Et puis finalement avec le code promo je me suis dit, parce qu'en fait si j'avais une palette que je voulais acheter absolument,
Et je n'avais pas les frais de port offerts si je prenais que la palette. Donc du coup, je me suis dit, bon, je vais prendre celle-ci, ça fera pas de mal. Il y en a une nouvelle qui va arriver aussi, donc peut-être que je me laisserai tenter. Donc voici comment elle se présente. Elle est très très jolie. Je pense que pour cet été, ce sera magnifique. Donc j'ai trop trop hâte de la tester, celle-ci. Donc voilà. Et la deuxième palette, donc la palette que je voulais absolument, c'est celle-ci. C'est la Morphe X Avani Greg for the Babes. Voilà, donc je pense que vous l'avez vu certainement passer. La commande était assez longue. Je trouve que Morphe, ils se foulent pas trop trop. Ils doivent pas être si submergés que ça au niveau des livraisons. Donc voilà, un petit peu déçu au niveau des délais de livraison. Et donc, voici comment elle se présente. Il y a un miroir. Alors là, nous avons deux lignes de fards cake liner et nous avons des fards à paupières normaux sur le reste. Voilà, il n'y a pas beaucoup de fards irisés, beaucoup beaucoup de fards mat. Ça, c'est pas trop ce que j'aime dans une palette, mais bon, c'est pas très grave. J'arriverai à trouver d'autres fards irisés dans d'autres palettes. Donc voilà. Voilà pour ma petite commande Morphe. Alors, chez MAC, je me suis commandé le Studio Fix Tech comme ceci, qui est un fond de teint crème en poudre. Je l'ai pris en teinte NC10. Et donc, j'avais vu sur l'Instagram d'une copine et elle avait mis un code promo. Du coup, je me suis dit, allez, c'est parti. Donc, je ne l'ai pas encore ouvert. Enfin, si je l'ai ouvert juste pour voir la teinte. Donc voilà, et donc en dessous vous avez une petite éponge. Donc voilà, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais ça me donnait bien bien envie. Donc voilà. Et pareil, pour avoir les frais de port gratuits, je me suis pris ce petit quad. Donc c'est une palette à créer soi-même, mais du coup j'ai pris seulement la palette et c'est avec le signe Gémeaux. Donc ils ont fait une petite collection avec les signes astro et du coup je pourrais faire ma propre palette. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, sachant que j'ai acheté des fards mono, donc voilà. Donc voilà pour MAC. Ensuite, chez Fresstar, je me suis pris la Mystery Box. Je l'ai unboxée en vidéo, donc je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo. Ça, je vais pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vous mets le lien encore une fois en barre d'infos. Ensuite, chez Huda Beauty, j'ai commandé. Ils ont sorti pas mal de nouveautés et surtout ce coussin trop chou, il est trop mignon. Donc il est tout doux. Donc c'est un peu, enfin eux ils disent une houppette XXL, mais personnellement je vais pas me maquiller avec une houppette comme celle-ci. Donc voilà. Donc voilà, trop trop doux. Je pensais un peu plus gros, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà. Pour mon achat Huda Beauty, du coup j'ai commandé aussi la Baby Bake, donc le petit format de la Easy Bake de Huda Beauty. Du coup je l'ai pris en teinte Pound Cake. Il n'y a pas toutes les teintes en version petit, et donc en fait vous tournez et vous avez comme ceci. Donc écoutez, à tester. Ça fait un moment que je voulais tester cette poudre là, mais voilà, encore une fois j'attends parce que j'ai beaucoup de poudre, et là comme elle est sortie en petit format, ça tombe très bien. Elle vient de sortir sur le site de Sephora, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Sephora. Ensuite, je me suis pris le Wishful. Donc ça, c'était pareil pour avoir les frais de port offert, je crois. Donc le Wishful, le Yo Glow, et donc là c'est avec des fruits tropicaux. Donc voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner. J'aime beaucoup cet exfoliant là. Donc voilà, un de plus ou un de moins, ça fait plaisir. Donc voilà, après je l'ai pas acheté parce que y avait des fruits dessus, pas du tout. C'était vraiment pour dire d'avoir les frais de port gratuits. Donc voilà. Et en échantillon, j'ai demandé la Easy Bake, donc la poudre libre, mais en teinte Kunafa. Alors, si j'arrive à l'ouvrir. Et en fait, je pensais pouvoir l'utiliser en bronzer, mais je ne pense pas.
Donc je verrai si je peux l'utiliser ou pas. Donc, pour le temps que je m'en souvienne, j'ai passé une commande chez Kaleidos que je n'ai toujours pas reçue. Donc je vais vous dire ce que j'ai acheté et comme ça, enfin, de toute façon, je ferai une vidéo dédiée à Kaleidos. Donc voilà, je vous montrerai en vrai, en story. Insta, si jamais vous voulez voir, je vous mettrai le lien de mon Instagram encore une fois en barre d'infos. Donc j'ai pris la palette Nebula, j'ai pris trois highlighters, j'ai pris une boîte pour ranger les highlighters parce qu'en fait j'en ai acheté quelques-uns sur Vinted. Encore une fois, vous verrez la vidéo un peu plus tard. Donc voilà, et je vous ferai une vidéo entière sur Kaleidos. J'ai commandé aussi sur Colourpop parce qu'il y avait les frais de port offerts et en dessous de 24$, je crois qu'il n'y avait pas de frais de douane. Donc du coup, j'ai pris deux blushs, non, un bronzer, enfin un bronzer blush, ils disent un blush mais c'est plus un bronzer, un blush et un fard à paupières mono. Donc je vous mettrai les photos évidemment. Donc voilà, c'est des choses que je n'ai pas reçues. J'ai aussi hier commandé sur Stylevana, je pense que je n'aurai pas avant un moment. Donc j'ai commandé la crème solaire Pikachu, j'ai commandé deux masques Pokémon et des patchs pour les boutons Pokémon. Encore une fois, je vous mettrai tout ici. J'ai commandé avec mon code promo, donc encore une fois, je vous mettrai juste ici le code promo. Si jamais ça peut vous intéresser de commander sur Stylevana. Donc voilà, pour la petite parenthèse des produits que je n'ai pas reçus. Donc maintenant on va finir avec les produits que j'ai reçus. Donc j'ai commandé pour la première fois sur Maki Beauty. Donc livraison une semaine. Donc rien de transcendant. Donc c'est dans un petit truc comme ça. Et donc j'ai commandé. Alors pour commencer j'ai eu deux échantillons donc de la marque Zia Dia, je pense. Donc une crème de jour et une crème. Donc voilà. Comme ceci. Ensuite, j'ai eu un petit paquet de bonbons. Donc ça c'est cool. Plutôt sympa. Et du coup, j'ai commandé quelques produits. Donc tout d'abord, le jour où je me suis dit, il faut que je commande, je me suis dit, il faut que je commande une palette Superstar. Donc palette Superstar. Alors j'ai pris la Pousse Duo Shimmer and Pastel Color. Donc ce sont des pastels et des un peu argentés dorés. Alors attendez, si j'arrive à ouvrir. Donc voici comment ça se présente. Voilà. Donc bah, vous pouvez évidemment retirer les trucs et donc vous avez de l'argenté, du pastel, du doré, du cuivré. Enfin voilà. J'ai trop trop hâte de tester. J'en ai beaucoup entendu parler donc voilà. J'avais trop trop hâte de tester ça. Ensuite, je me suis pris de la marque Carla Cosmétique. Je me suis pris ces paillettes. Donc ce sont les Mermaid Fin Glitter Bag. Donc il y a 15 grammes. C'est juste magnifique. Franchement, elles sont trop trop belles. Elles coûtent très cher. Je trouve pour des paillettes, c'est quand même assez indécent. Mais elles sont vraiment trop trop belles. Et ensuite, je voulais acheter des fards mono. Franchement, Maki Beauty. Ils ont pas de stock. C'est vraiment nul. À chaque fois que je voyais un fard à paupières qui m'intéressait, il était en rupture. Enfin, je pense que c'est un bon site. J'ai commandé qu'une fois, donc je ne sais pas trop. Mais voilà, je trouve qu'au niveau des stocks, ils sont vraiment pas bons du tout. Donc du coup, j'ai pris des fards Corazonna. Donc j'ai pris le Esmeralda, qui est comme ceci. J'ai pris la teinte Quartz, comme ceci. Et j'ai pris la teinte Berylo. Voilà, j'ai pris les teintes qui restaient, il restait pas grand-chose. Donc, voici la teinte Esmeralda. Donc, swatchons. Je suis pas hyper convaincue par ce swatch. Il faut voir avec un make-up, mais on m'a vendu les mérites de Corazonna. Après, bon, c'est peut-être pas le fini le plus reconnu dans la marque. Donc voilà. Celui-ci, ouais. Il est joli, hein, mais voilà, là j'ai dû repasser une deuxième fois. Donc voilà. Ensuite, la teinte Quartz, qui est juste ici. Très très jolie. Qui est plus un topper du coup.
pensais que ce serait un peu plus voyant, mais non. Voilà quoi. Là pour l'instant, après voilà, comme je vous dis, les swatchs en général, faut pas trop s'y fier, soit c'est trop pigmenté, puis quand vous travaillez avec un pinceau, c'est pas du tout pigmenté. Après peut-être que c'est pas pigmenté, mais avec une base c'est canon. Enfin voilà. Faut jamais trop se fier au swatch. Et du coup, la teinte. Hop! La teinte Berio, qui est comme ceci. Voilà. Donc très joli. C'est simple mais efficace. À voir. À voir ce que ça donne. Parce que là, pour l'instant, les swatchs ne m'ont pas forcément convaincu. Donc voilà, j'ai pris trois autres fards, mais de la marque OPV. Donc j'ai pris que des glitters alors, sans faire exprès. Donc j'ai pris les OPV glitters comme ceci. Donc j'ai pris la teinte Desire. Désir quoi. La teinte Whitey. Hop. Et la teinte Impression. Comme ceci. Donc pareil, on va se swatcher ceci. Waouh! Je pensais pas que les pannes étaient aussi gros. Ah, je pensais le mettre dans ma palette MAC, mais je pourrais pas le mettre du coup. La teinte Desire. Alors, c'est dommage, c'est qu'ils ont pas mis la référence derrière. Ça, c'est dommage. Alors, bon, ce sont des paillettes. Hein. Donc, c'est pas facile à swatcher. Ouais, moi, j'arrive pas du tout à swatcher. Ça reste collé sur la main. Donc, je vais vous swatcher au doigt comme ça parce que du coup. Ah, je suis déçue. Je les trouvais trop beaux tous. Et puis finalement, plus ça va, moins ils ont l'air bien. Je voulais commander sur Glam Shop les fards à paupières mono. Et impossible de payer. Il faut avoir PayPal. Donc, comme j'ai pas PayPal et que je veux pas l'avoir parce que j'ai eu trop de problèmes avec eux, eh ben, je ne commanderai jamais sur Glam Shop. Je suis trop deg, mais bon, c'est comme ça. Donc, ensuite, la teinte Whitey. Oh, il est beau celui-ci. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous verrez bien. Elles sont juste ici. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais elles sont trop trop belles. Elles sont un peu violette, bleu, vert. Très jolie, très jolie, très jolie, très jolie. Celle-ci, je valide. Et enfin, le Desire, qui sont les bleus comme ceci et qui sont comme ceci. Donc voilà, très joli aussi. Bon, comme je vous dis, ça swatche vraiment pas bien. Faudrait que je mette de la colle en dessous ou autre, mais voilà. Bon, niveau, j'ai juste essuyé avec mon chiffon et tout est parti, vraiment tout. Donc les fards, même les fards, ils ont pas l'air top top. Je suis dégoûtée, franchement dégoûtée. Bon, c'est pas grave, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc voilà. Voilà pour ma commande Maki Beauty. Alors, chez Nocibé, j'ai passé une commande pour une palette et du coup, j'ai fait en sorte de ne pas avoir des frais de port. Donc, ah, je vous ai pas montré ça tout à l'heure avec ma commande MAC. J'ai eu ça en cadeau, c'est l'huile démaquillante comme ceci. C'est vraiment des superbes cadeaux chez MAC, je trouve. C'est pas du Sephora quoi. Donc ça au top. Donc du coup en échantillon j'ai eu de la marque Evolve. Je suis même pas sûre que c'était avec cette commande, je ne sais plus. J'ai eu une crème multipeptide comme ceci. Donc du coup la palette que je voulais commander c'est la palette de Rude Cosmetics, c'est la Sin of Glitoni. Donc, qui se présente comme ceci, le packaging est dégueulasse. Vraiment, le packaging, je le hais. Et j'ai longtemps hésité à l'acheter à cause du packaging parce que je me suis dit, à chaque fois que je vais voir ça, cette tête affreuse de licorne, je vais dire, non, vas-y, je l'utilise pas. Donc, je pense que je mettrai une photo dessus ou un truc blanc ou un truc pour cacher parce que vraiment, ça m'écœure. Et donc, à l'intérieur, ce sont que des paillettes.
Donc voilà, je ne l'ai pas encore touché. Donc vous avez des paillettes étoiles, des paillettes basiques, des paillettes avec des lunes, des paillettes avec des cœurs. Et voilà. Vraiment, ça a l'air magnifique. Je vais vous faire trois swatchs. Alors le Revenge. Ah mais regardez-moi ça. Magnifique. Magnifique. Je vais faire un petit swatch d'étoile. Et un petit swatch, celui-ci. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas magnifique? Waouh. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est vraiment trop trop joli. Ça pour le coup, je suis trop trop contente. Les reflets, je sais pas si vous verrez les reflets du chrome. Celui-ci, il est bleu. Oui, il est trichrome, j'ai l'impression. Il est rose, bleu et doré. Doré vert. Là, ce sont avec des étoiles. Et celui-ci, c'est un blanc avec des reflets violet, bleu. Vraiment trop trop beau. Ça, je valide. J'ai trop trop hâte de me maquiller avec. Trop trop belle. Autant le packaging est dégueulasse, autant la palette en elle-même est vraiment vraiment canon. Là, j'ai vraiment trop hâte du coup de l'utiliser. Je suis trop contente. Ensuite, j'ai pris toujours de la marque Rude Cosmetics. Je me suis pris le Stardust en teinte célestiale. Donc, je l'ai même pas encore ouvert. Diamond Topper. Je trouvais ça aussi joli. Donc, je me suis dit pourquoi pas tester. Hop. Je connais pas du tout la marque Rude Cosmetics. C'est les premiers produits que j'achète de la marque. Et c'est pas une marque qui me faisait envie, mais là, je dois bien avouer que c'est très joli. Je sais pas si vous verrez. C'est vraiment magnifique. Je suis très contente. Voilà, pour le coup, je valide Rude Cosmetics. Ensuite, je me suis pris de chez NYX. Je voulais trop les tester. Le Shine Loud. On a entendu parler un peu partout. Donc voilà, il est vraiment trop beau. Je suis vraiment choquée. Donc voilà, à tester ce produit. Je sais pas du tout si je vais aimer ou pas. Et enfin, le dernier produit. Ça c'est donc tout ça, j'avais eu avec un code promo, je crois. Et ça, je l'ai pas eu avec un code promo. C'est le pinceau It Cosmetics. C'était pour la Saint-Valentin, je pense. Qui est comme ceci. Et vous voyez le manche. Trop beau. Et en fait, c'est en forme de cœur. Donc voilà. J'en ai entendu pas mal parlé sur YouTube, donc du coup j'avais trop trop envie de l'acheter. Il est très cher, 30 euros je crois pour un pinceau, c'est hyper cher, mais voilà, je suis très contente. Et puis bah, c'est pas tous les jours que je m'offre un pinceau, donc ça va, on va dire que ça va, ça passe. Donc voilà pour ma commande Nocibé Look Fantastique. J'ai commandé trois produits. Donc, j'ai commandé trois produits. J'ai commandé tout d'abord le Sun Mist de chez Pixi, la brume protection comme ceci. Vous savez, j'aime bien Pixi. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur Pixi. Je vous la mettrai en barre d'infos. J'aime bien Pixi. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais tester ce produit. Donc, voilà, sachant que les beaux jours arrivent, c'est le moment ou jamais. Ensuite, j'ai commandé deux autres produits qui sont arrivés tous les deux cassés. Donc du coup ils m'en ont renvoyé. Donc j'ai le blush Claudette. Donc je vais vous faire voir celui qui n'est pas cassé, tant qu'à faire. Donc voilà. Qui est comme ceci. Très très beau. Il me faisait vraiment envie. Donc voilà, je l'avais eu avec un code promo aussi. J'ai eu tout eu avec un code promo sauf le produit Pixi. Et j'ai commandé la fameuse base The Marshmello. Et pareil, je l'ai reçue deux fois cassée. Et là, je l'ai encore reçue cassée. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, vous pompez là. Et là, normalement, vous pouvez ouvrir. Et moi, mon tube, il reste. Il est coincé, quoi. Donc, je vais renvoyer là juste après un mail à Look Fantastic pour avoir un remboursement parce que j'en ai un petit peu marre de réclamer après des
produit convenable, on va dire. Donc je pense que Look Fantastic il baisse vraiment dans mon estime. Donc voilà, je me retrouve avec de base inutilisable. Donc on adore. Et Beauty Bay, j'ai commandé trois produits. Je me suis commandé le Multi-Use Setting Liquid de Simple Beauty. Donc c'est un produit que vous pouvez utiliser avec les pigments qu'ils font pour faire des liners, ou vous pouvez l'utiliser en brume fixatrice. Donc voilà, vous avez un format pipette et un format chip sheet. Et donc voilà, moi je l'ai plus acheté pour du coup les pigments. Mais juste après l'avoir acheté, j'ai vu qu'ils faisaient des lots avec les pigments. Du coup, je suis un petit peu deg. Mais c'est pas grave, du coup, j'achèterai les pigments en individuel. Je me suis enfin procuré le Anastasia, le Brow Freeze, pardon, qui est comme ceci, hein, le fameux produit qui a fait le buzz. Mais je l'ai toujours pas testé, je l'ai toujours pas ouvert. Et il faut que j'achète un liner feutre, enfin un crayon feutre pour remplir mes sourcils, parce que je pense qu'avec le crayon ça va pas aller. Et enfin, je pense que c'était pour avoir les frais de port offerts, je pense. Je me suis pris la houppette de Linda Halberg, qui est super chère entre nous, trop trop chère. Mais voilà, si elle est bien, tant mieux. Donc voilà, je ne l'ai toujours pas testé. Je vais pouvoir faire ma Marion Caméléon. Donc voilà pour ma petite commande du Tibet. J'avais bien bien craqué le mois dernier. Là, j'ai encore envie de craquer, n'est-ce pas? Mais voilà, il faudra que je... Voilà, je me suis du coup arrêtée un petit peu sur Beauty Bay, mais j'ai bien craqué chez les autres concurrents, on va dire. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai commandé pour la première fois sur Boozy Shop, et du coup j'ai reçu ceci. Donc ça, c'est un petit, on va dire un petit cadeau. Donc avec leur petit truc skincare et avec une petite carte trop chou. Thank you 16. Donc voilà. Je trouve que c'est une attention qui change tout. Voilà. Voilà, chacun fait comme il l'entend. Il y a Maki Beauty qui offre des paquets de bonbons. Là, c'est une petite carte, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Et du coup, j'ai commandé parce que j'ai vu qu'ils avaient sorti les éponges Juno & Co. Bob l'éponge. J'étais obligée de les acheter. Elles sont trop trop belles. Je les veux depuis qu'elles sont sorties, mais je voulais pas commander sur le site Juno & Co. juste pour avoir des éponges. Ce serait pas logique. Donc du coup, Je les ai prises. Donc il y a un petit savon du coup pour nettoyer les éponges, pardon. Bikini Bottom. Ensuite, la petite éponge Patrick. Trop trop mignon, franchement j'adore. Je sais pas si je vais les utiliser honnêtement, mais je les trouve trop trop bien. Et Bob l'éponge. Donc elles sont en microfibre et elles sont plates à ce niveau-là. Celle-ci, elle est ronde partout. Et en microfibre aussi. Et il y a deux petites éponges pour l'anti-cerne, certainement plancton. Voilà. Trop trop choupi. Et celles-ci, elles ont toutes les deux la même forme. Donc voilà, ça c'était l'achat inutile, mais trop trop chou. Vraiment, je suis trop in love de ça. Donc voilà, je sais pas si je vais réussir à les utiliser. Pour l'instant, j'en ai pas mal d'ouvertes. Enfin, de utiliser. Donc je vais continuer à utiliser celles qui doivent être utilisées, mais le jour où elles vont je vais les jeter, peut-être que je prendrai celle-ci, je ne sais pas encore. Donc voilà, je me suis pris la palette Mitchell, enfin Made by Mitchell, et j'ai pris la Cloud, alors comment elle s'appelle? Head in the Cloud, donc la tête dans les nuages. Voilà, j'ai longtemps hésité sur celle-ci ou l'autre. Je pense que je vais commander l'autre une fois que j'aurai testé celle-ci, voir si la qualité me plaît. Je vais d'abord tester celle-ci, mais voilà. D'ailleurs, elles sont maintenant disponibles chez Beauty Bay, donc voilà, avec les pochettes. Moi, j'aurais bien voulu avoir les pochettes, mais c'est pas très grave. Et du coup, elle se présente comme ceci. Elle est trop trop belle. Il y a un grand miroir. Et voilà comment elle se présente. Elle est trop trop belle. J'ai longtemps mis la verte du coup. Et je dois bien avouer qu'à la dernière seconde, je me suis dit non, vas-y, prends celle-ci. Ce sera plus pour la saison. Donc voilà. Mais je pense que je vais du coup craquer pour l'autre sur Beauty Bay, je pense, avec un petit code promo. Parce que chez Boozy Shop, je crois que j'ai jamais vu de code promo. Je sais pas si c'est une illusion, mais
Je n'ai jamais vu, donc voilà, je suis sur BeautyBay, ça passera toujours mieux avec un code promo. Ensuite, donc là je pense que c'était pour avoir les frais de port encore une fois, je me suis pris de W7 le Flick and Grip, qui est comme ceci, qui est l'eyeliner qui colle les faux cils. Je voulais pas prendre le celui qui a fait le buzz là, parce que bah, il faut commander sur leur site et un peu la flemme quoi. Donc je me suis dit que j'allais tester d'abord celui-ci. Je ne l'ai pas encore ouvert, je ne vais pas l'ouvrir tout de suite. Mais voilà, si vraiment ça colle les faux cils, ça va me changer ma vie. Parce que je ne mets jamais de faux cils à cause de la colle à faux cils qui me saoule, qui ne colle pas. C'est vraiment une catastrophe. Donc là, si ça tient, ce serait vraiment cool. Et du coup, pour un certain montant, vous avez des cadeaux. Et plus vous allez haut, plus vous avez des beaux cadeaux. Et du coup, j'ai pris la grande palette magnétique de Boozy Shop, qui est comme ceci, qui est une autre palette basique que j'avais pris de base pour m'acheter des fards Glam Shop, mais juste après j'ai essayé de commander, pas moyen, donc tant pis. Mais du coup je mettrai les fards au PV, etc. Donc voilà pour cette palette. Et enfin on va terminer avec Sephora. Alors ces produits là je les ai eus avec un moins 25%, je crois qu'il y avait je vous avais fait la vidéo journée gold, et j'avais acheté un peu, enfin quelques autres choses après avoir filmé la vidéo, donc du coup je me suis dit que j'allais l'inclure dans ce haul. Donc tout d'abord je me suis pris le Best Skin Ever, qui est un très très bon fond de teint. Je l'avais eu en dose, j'avais demandé une dose d'essai à Sephora, et j'ai vraiment trop aimé ce fond de teint. Donc voilà, je l'ai acheté, il est encore sous blister, je vais pas l'ouvrir tout de suite, mais je suis trop contente. Donc je l'ai eu avec moins 25%. Je me suis pris le baume nettoyant démaquillant comme ceci. Le baume démaquillant fondant, nettoie et équilibre. Donc voilà, c'est un 125 ml. Pareil, je l'ai eu avec un code de moins 25%. Je vais certainement faire un VS, donc un petit combat, une petite battle de celui-ci contre celui de chez Huda Beauty. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Donc voilà. Ensuite je me suis pris ce lot de gloss comme ceci de la marque Fenty Beauty. Et donc à l'intérieur il y avait aussi un petit porte-clé comme ceci pour y mettre du coup le gloss. Ça c'est trop cool. Et du coup il y a deux teintes. Il y a la teinte Fenty Glow que j'avais en grand format, mais du coup je l'ai revendue pour garder le petit. Et la teinte Pink Dragonfly. Il faudrait que je vérifie si je l'ai pas celui-ci. Donc voilà, j'aime beaucoup les gloss de chez Fenty Beauty, donc je me suis dit pourquoi pas. Et enfin je me suis pris, donc ça c'est un achat nettement influencé par Marion Caméléon. Elle avait reçu les produits gratuitement et elle avait fait un make-up magnifique avec cette palette. C'est pas du tout le genre de palette que j'achète en temps normal, c'est la Shade and Light comme ceci. Donc celle-ci c'est la Glam Rock. Elle se présente comme ceci et elle est comme ceci. Voilà. Il n'y a rien de transcendant. J'ai peut-être les couleurs ailleurs, c'est possible. Mais du coup, voilà. J'ai pas. J'ai craqué. Je l'ai eu avec moins 25%, donc ça va. Et voilà, j'ai trop hâte du coup de l'utiliser enfin. Donc du coup en échantillon j'ai eu l'Hydrazen de Lancôme, j'ai eu l'Abeille Royale de Guerlain et j'ai eu le True Portrait de KVD Beauty, voilà, comme ceci. Et ensuite j'ai repassé une commande chez Sephora avec un code de moins 10%. J'ai eu le coffret, enfin je me suis pris le coffret Sephora Favorite que je vous ai présenté sur Insta si je ne dis pas de bêtises. Et donc à l'intérieur nous avons un petit élastique de la marque Sleep, un, des masques, enfin une paire de masques pour les yeux de la marque 111 Skin. Nous avons un baume démaquillant de la marque Yves Lhomme. La crème hydratante instantanée de Charlotte Tilbury. De la marque Hourglass, nous avons la poudre lumière en teinte Dim Light. Voilà. Et enfin, nous avons de la marque Estée Lauder Advanced Night Repair. Voilà. Comme ceci, je n'ai toujours pas testé. Donc voilà pour ce petit coffret que je trouvais bien sympathique. Et du coup, en échantillon, j'ai eu le Estée Lauder Crème Douceur Éclat. Le de la marque Vital Vita 12. Non, de la marque Tony Moly, la crème comme ceci.
et de la marque Shuemura, c'est shampoing réparateur. Donc voilà pour tous mes achats que j'ai effectués sur plein de sites différents. Voilà, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de choses différentes aussi. Donc c'est plutôt cool. Je suis très contente de tous les achats que j'ai effectués, comme à chaque fois. Donc voilà. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop pénible. J'ai vraiment eu du mal à parler. J'espère que ce sera pas trop pénible au niveau du son, de ma voix, etc. Donc voilà. Si jamais c'est le cas, je m'en excuse fortement. Donc voilà. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire vous sur quoi vous avez craqué. Si vous avez craqué sur l'un des produits que j'ai mentionné, si vous les avez testés, donnez-moi votre avis, j'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.